Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, merci de nous rejoindre, merci de nous être fidèles encore une fois. Eh bien, on va partir très rapidement du côté du Mahoré Jazz, car ils sont nos invités, ils nous arrivent de Strasbourg ce soir. On va les découvrir très vite. Juste avant, on va parler d'une autre association, Ouvamoja, Yawadou Azi, j'y suis arrivé. Avec nous, on a Boucharani. Boucharani, bonsoir, comment va-t-il? Bonsoir, bonsoir les invités, les groupes... De l'extérieur. Bonsoir. C'est Boucharani. Oui, Boucharani, comment va? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, toujours très bien. Hein. Moi, quand je vous vois, ça va. Super. John, en forme? Oui, mais c'est Dominique. Toujours le monsieur, à chaque fois, je te le dis, le monsieur, il est de trop, John. Tous les deux, vous êtes là pour parler d'une opération magnifique. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de rénover la tombe de Zaki Hamadi. Exact. Magique, les gars. On va en parler très rapidement. Ils sont avec nous. Ils nous arrivent de Strasbourg, après Vannes, Vienne aussi, me semble-t-il, du côté de la Défense aussi, autour de Strasbourg, bien évidemment, dans les meilleurs endroits. Eh bien, c'est tout simplement le groupe ITJ qui est avec nous, avec Louis. Micro. Bonsoir. Bonsoir, Louis. Soyez le bienvenu. Basse. C'est ça. C'est bien ça. Mathieu à la batterie. Oui, c'est ça, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Directement de Strasbourg. Pareil que les trois autres. Et ouais. Rémi du côté du saxo. Oui, bonsoir. Soyez bienvenus Rémi à Mayotte. Raphaël à la guitare. Bonsoir Monsieur Dominique. Voilà, il commence très fort. Je sens qu'on va skier ce soir. On va ramer peut-être. Allez, ITJ, première fois à Mayotte. Première fois à Mayotte. La première, heureux. Mais peut-être qu'on repartira plus jamais. Bah écoutez, c'est tout le bien qu'on pourrait souhaiter à Mayotte en tout cas. Les garçons, ça fait loin depuis Strasbourg. C'est 10 heures de vol. Oui, hein, à peu près, hein, comme à peu près tout le monde. Voilà. Ça revient très cher aussi. Ça, c'est pas comme partout. Ça, c'est moi qui l'ai dit, ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein, ça n'engage que moi. Les garçons, donc, Strasbourg, il fait pas chaud en ce moment à Strasbourg. Non, mais il faisait très moche même. Et on était très heureux de partir. Ouais. Il me semble que les températures sont vraiment tombées. Hein. C'est le début de l'automne chez nous. Hein. Voilà, voilà. C'est demain, je crois, hein, me semble-t-il. 21 septembre, oui. Exact. Il me semble que c'est ça. Donc, première fois à Mayotte. Est-ce que vous êtes content? Comment s'est fait la rencontre avec le Mahoré Jazz? Par une sollicitation, tout simplement, ouais. à venir jouer. Ouais. On avait déjà pu... Ouais, là, vous vous êtes pincé, vous vous êtes dit non, on rêve. Tout à fait, exactement. On a rêvé, puis on est toujours en train de rêver. Donc, tu vois, on est très heureux d'être dans ce rêve-là. Ouais, pincez-vous. Pincez-vous, vous êtes arrivés, les garçons. ITJ, c'est quoi comme musique? Alors, c'est une musique... Il y a une base de jazz. Ouais. Parce que ITJ, ça voulait dire, fut d'une époque, in-time jazz. Notre musique, donc, c'est une base de jazz avec diverses influences, comme le jazz moderne, c'est-à-dire on s'inspire des musiques à la fois actuelles, comme le rock, comme le hip-hop. Alors, on a fait un voyage en Afrique, donc on s'est beaucoup inspiré aussi au Burkina Faso. Oh, ça... Vous êtes pincé aussi ce jour-là. Exactement. On espère se pincer encore de nombreuses fois. Moi, je vous le souhaite, les garçons. Je vous le souhaite vraiment. Donc, c'est en fait notre musique, c'est un mélange, ouais. Comme le jazz. Et ouais, une grosse fusion. Où tout le monde prend du plaisir. Ah, on espère. C'est l'objectif. Et ouais, messieurs d'Ouvamoja, John Boucharani, le jazz, vous connaissez? Ben, écoutez, c'est une... J'entends parler comme ça, mais c'est la première fois que je suis en face d'un groupe de jazzman. De jazz. Donc ça fait quand même plaisir. Entre parenthèses, j'ai un collègue médecin qui vient de Strasbourg. J'ai envoyé un message comme quoi il y a des Strasbourgeois sur l'île. Voilà. Pour les jazz. John, musicien un peu, toi? Ben, je ne suis pas musicien, mais j'aime bien le jazz parce que j'ai entendu un peu parler de jazz. Ouais. Mais j'ai mon oncle Tonton Nassur qui est à Wangani, qui aime bien le jazz. Donc, souvent, il me parle de jazz. Donc, là, je suis très content d'être avec le groupe de jazz là aujourd'hui. ITJ, eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle pour vous. Les garçons, vous nous proposez donc de rénover la tombe d'une des femmes qui a écrit l'histoire de Mayotte, c'est bien ça? Oui, monsieur Dominique, c'est bien ça. Le monsieur, il est de trop. Zaki Hamadi, bien sûr, cette chatouilleuse. Ouais, c'est une femme chatouilleuse qui a perdu son sang à la jetée des Mamoudzou. Ouais. Qui a donné sa vie pour Mayotte. Voilà. Et aujourd'hui, donc, sa tombe est un peu délaissée ou pas? Oui, c'est très délaissé. Arrête, comment c'est ça se fait, très, les garçons? Trop même. Là, pourquoi?
Mais écoutez, comme la majorité des chatouilleuses, ils sont combattus pour que Mayotte reste française. Et libre. Libre et française aussi. Et nous trouvons que ces personnes qui sont données pendant toute leur vie pour lutter contre l'envahissement des autres îles à côté, et aujourd'hui, au lieu de récompenser, même s'ils sont morts, mais on peut récompenser. Et quand je dis récompenser, on peut reconnaître. Les reconnaître. Mais nous, on a trouvé que, nous, la commune de Ouangani, on a trouvé que notre mère, notre grand-mère, notre tante Zaki Amadi, et elle n'est pas du tout sur la liste de ces personnes-là qui méritent d'être un peu oubliées. Donc l'association s'est mobilisée, faire ce qu'elle peut faire. Et apparemment, c'est décidé, comme si on est là, c'est décidé, on va le faire. C'est la Moussada. C'est la Moussada, compliqué. On veut bien faire, puis reconnaître ce travail que cette personne a accompli pour Mayotte. ITJ, vous êtes renseigné sur l'histoire un peu de Mayotte avant de venir. C'est très intéressant, parce que d'autant plus cette idée de remettre en forme une tombe, de rappeler une mémoire importante, notamment d'une lutte passée, donc politique aussi. Tout à fait. Et totalement en connexion avec ce qu'on a fait sur cet album, qu'on a appelé We Enter the Ghost, refaite entre les fantômes. Et c'est un titre qui est un hommage. Alors, à la base, à une philosophie, celle de Jacques Derrida, qui s'est lui-même inspiré d'Hamlet, dans lequel il y a justement cette didascalie, où il dit qu'il faut refaire venir les fantômes à nous quand on les a oubliés, etc. Et notamment donc, les fantômes des luttes importantes pour l'histoire et pour la politique. Et on a fait beaucoup d'hommages à plein de grandes figures qui nous animent dans cet album, justement. Vous étiez renseigné un peu sur l'histoire de Mayotte pour revenir à ces chatouilleuses. Oui, tout à fait. Ben, on en a parlé, en fait, ce qui est très intéressant quand on part en voyage, donc notamment ce qu'on a pu avoir au Burkina Faso comme expérience. Et là, ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est d'être imprégné, d'être confronté à une mémoire, à une histoire, à une politique, à quelque chose d'un environnement à la fois culturel et social. Et donc ça habite à la fois nos propos et notre musique. Et c'est ce qui s'était passé au Burkina, c'est ce qu'on essaye de aussi voir à Mayotte. Et donc en fait, on en a parlé aussi des chatouilleuses. Cette lutte, d'ailleurs, la forme est tout à fait amusante, originale. Moi, j'ai toujours admiré cette manière de manifester, tellement pacifique c'en n'était pas imaginable. Il n'y avait que des femmes de génie qui pouvaient imaginer ce genre de choses. Alors souvent, ça nous a, le contexte social a imprégné notre musique à tel point qu'on a fait des morceaux dessus. Donc si ça se trouve, on fera un jour un morceau sur des chatouilleuses. Ça serait génial. Ça irait bien avec le jazz. Ah bah oui, tout à fait. Parce que les gens qui sursautent, on est parti là. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez pouvoir entendre deux morceaux, ou un ou deux, qui sont justement inspirés de notre voyage au Burkina Faso. Et il y aura donc des choses. Mayotte vous laissera des choses. Ah bah on espère bien. Mais ça commence déjà à nous imprégner. Donc on va repartir. Vous laisser des traces. Venir, tout à fait. J'espère que vous aurez le temps de découvrir tout plein de choses entre deux concerts. On rappelle. On va déjà commencer à vous annoncer. Vous serez en concert. Alors le Maoré Jazz va démarrer demain, mercredi 21 septembre, chez Cousin au rond-point du Baobab à Mamoudzou. Ce sera l'apéro jazz avec une rencontre où vous allez rencontrer tous les autres artistes du festival. Et puis nous, le grand public, on est attendu le vendredi 23 septembre à partir de 20h à la salle de cinéma Le Pajo. Avec vous donc, ITJ, on aura Tiffany qu'on avait hier soir sur le plateau et Mala des Comores que l'on aura d'ailleurs demain soir sur le plateau, et on est sûr qu'elle est arrivée puisqu'elle est déjà en train de nous accompagner. Elle nous regarde à travers la lorgnette. Mala. On va continuer, ce sera samedi 24 à la JP de Pamandzi. On retrouvera un monstre sacré, bien sûr. Là, j'imagine que vous allez être content de le rencontrer. Première fois, Beethova au bass. Oui, tout à fait, ce sera la première fois qu'on le rencontrera. Oui, génial, les gars. Venir au bout du monde pour rencontrer Beethova au bass. C'est génial. Et donc, Beethova au bass, samedi 24 à Pamandzi, avec vous, ITJ, bien sûr. Et puis dimanche, alors pour ces deux concerts, on rappelle que c'est 12€. Dimanche 25, de 16h à 19h, ancienne place du marché, ITJ, chorale de Mgombani, Jazz Ad Lib, qui est le groupe maoré, et Tiffany, donc, qui sera avec vous, avec sa belle voix. Bouchourani, John, quand est-ce que vous comptez faire cette rénovation de la tombe de Zaki Amadi? Cette rénovation, nous comptons qu'on va le faire le 15 octobre. Le 15 octobre. Oui. Et wow. Étant donné qu'il est décédé le 13 octobre, c'était un jeudi. Un jour de jeudi, je m'en souviens très bien. Comme le jeudi,
13 octobre. Mais c'est le jour du travail. Voyez la tombe, comment voilà, il la tombe, on la donc, voit. Donc là, ah oui, on profite le week-end pour qu'on puisse avoir beaucoup de gens. Ouais. Surtout, on va mobiliser toute la population de Mayotte parce qu'elle s'est combattue pour Mayotte. Ouais. Elle est morte pour Mayotte. Donc, du coup, là, on va le faire. On va les rénover. Pourquoi les garçons, là, je vais me poser en avocat du diable, le chétoine. Dites-moi, pourquoi le Mzé Bamana, il a eu un mausolée, et pourquoi ces femmes n'ont pas de mausolée? Ben, écoutez, Mzé Bamana, il y a eu des mobilisations. Il y a eu une vraie mobilisation. Il y a eu des proches qui se sont mobilisés. Mais autour des femmes, il n'y a pas eu. Ben justement, parce qu'on a toujours tendance, par rapport à notre religion, les femmes sont toujours soumises. Pourtant, elles étaient devant le Mzé. Voilà, donc nous, on n'est plus là-dedans. Ouais. Ouais, on donne quelque chose à la personne qui mérite. Donc, qu'il soit... homme ou femme, nous on s'en fout, il a mérité, ben, il faut récompenser, donc il faut donner cette récompense à cette personne. C'est pour cette raison qu'on s'est mobilisé. On a Colonel qui est disparu il y a 15 jours, hein, c'était une des dernières, hein, je crois. Ouais, ouais. Il en reste encore, mais très peu quand même, hein. Elles avancent en âge. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les réunir à un moment, ces chatouilleuses? Pourquoi on n'aurait pas pu les enterrer ensemble? Ben, l'objectif combattante de notre de toujours. C'est exact, l'objectif de notre association, ça fait partie de cette rencontre. Avec les différentes chatouilleuses. Ouais. Donc, du coup, là, on va commencer à les réunir juste cette date du 15 octobre. Ouais. On rappelle où elle est enterrée? À l'abattoir, quartier Moirzoukou. Et waouh! Du côté de l'abattoir. Donc, ce sera donc, on a dit, le 15 octobre. Et waouh! Ouais. Les garçons, on va continuer à voir comment on pourra vous aider, comment on pourra vous accompagner là-dessus. Revenons un petit peu à vous, les ITJ. Jazz à Vannes, Jazz à Vienne, Jazz du côté de la Défense, Mahoré Jazz. Vous aimez les festivals? Ah bah, c'est toujours pour nous une sacrée expérience d'aller dans les festivals parce que c'est des rencontres avant même de monter sur scène. Ouais. On s'est fait énormément d'amis dans les festivals que vous venez de citer là. Et on est en train de s'en faire d'autres dans ce festival-là. À Mayotte. Ah ouais, ça sera des vrais, là, vous allez voir. Bah, on l'espère. Et oui, donc les festivals, c'est des concerts un peu à part. Parce que c'est toujours une famille, c'est toujours une équipe qui se réunit autour d'un événement. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu différent des autres concerts. Et c'est toujours intéressant pour nous. D'habitude, c'est plus... j'ai vu aussi, c'est des concerts en club, c'est ce genre de choses. Bah, c'est là où on nous appelle. Hein. Ouais. Mais oui, c'est des salles, c'est des clubs, c'est des concerts qu'on a aussi organisés nous-mêmes, c'est des concerts que notre label a organisés, et c'est des festivals, donc c'est là où... N'importe où, si vous avez un truc à nous proposer, d'ailleurs. Peu importe. On peut tout imaginer. On est entendu et regardé depuis La Réunion, on est entendu et regardé depuis Madagascar, depuis l'Afrique. Donc, sait-on jamais si on vous voit en ce moment de ce côté-là, on vous invitera peut-être. Puis vous allez très certainement rencontrer des gens qui vous inviteront, à mon avis. Première fois à Mayotte, est-ce que si on vous le repropose, vous revenez dans l'année, ou il faut combien de temps de délai pour vous réserver? On fait ça cette nuit et on annule ce qu'on a à Strasbourg et puis on reste, c'est bon. Sérieux. Il pourrait le faire. Ouais. Aucun problème. On est entendu en métropole. Très bien. On est encore pas vu, mais on est entendu. Mais nous, on est en exil, alors c'est très bien. Et jusqu'à Strasbourg, hein. Confirmé, jusqu'à Strasbourg, les garçons. Agréable de venir pour sa passion. Bah oui, absolument, parce que du coup ça donne une vraie... Et d'ailleurs, est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est vos métiers? Bah, pour moi, c'est mon métier. Ouais. C'est un peu des deux pour tout le monde, en fait. Oui. C'est ça qui est plaisant dans notre métier, c'est qu'on vit notre passion. Ouais. Mais vous avez la chance là-bas d'avoir le statut des intermittents alors, du spectacle. Pas du tout, parce que du coup, vous n'y êtes pas? Non, c'est pas complètement notre métier pour tout le monde. Pour le c'est coup, pas vrai. Moi, je travaille à côté à l'université pour une autre passion qui est le cinéma, parce que je travaille à l'université de Strasbourg. Génial. Et je fais une thèse en études cinématographiques. Génial. Et donc, monsieur Rémy est professeur aussi, mais en musique. En musique, moi, je suis professeur. Et ouais.
Moi, j'ai monté mon label qui s'appelle Omesis, qui a produit l'album d'ITJ et qu'on est en train d'en produire d'autres. Et on, je me suis associé pour, et on a un studio en fait qui s'appelle Zoam Records. Et voilà. Jeune homme. Et pour ma part, je fais que de la musique, dans plein de groupes différents, plein de styles. Que de la musique. Donc dans d'autres groupes. Oui, oui. On peut les citer rapidement. Il y a un Ivoirien qui s'appelle Boni Niaoré, Burkinabé qui s'appelle Moussa Koulibaly, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on était au Burkina. Bon, c'est plein de styles quoi. L'ouverture quoi, le grand mélange. On a d'ailleurs tous plusieurs projets et on a même participé ensemble à d'autres projets que celui d'ITJ. Allez, je crois qu'on on était parti du côté de la régie tout à l'heure. Récupérer quelques petites images, me semble-t-il, que l'on part du côté de Vienne. Vous m'avez dit, attention, ça déchire. Bah, on en parlera après, on le montre et puis on en discute. D'accord, si c'était le 35e festival. Voilà, et je précise, Vienne en France. Ouais. On en parlait tout à l'heure. J'ai vu la belle scène. Et on disait là au comité donc, du Maoré Jazz, en espérant que dans 35 ans, vous ayez la même scène et puis le même truc, voilà. Allez, c'est parti, on découvre tout ça sur KTV, bien évidemment. Explication. En fait, c'est marrant parce que justement, ce qu'on a vu, c'est un peu une vidéo pirate, c'est-à-dire que quelqu'un a filmé dans le public. Et puis, on aime bien le mot pirate parce que ça colle bien à notre idée de transgression, de prendre. En tout cas, c'est énergique là. Oui, c'est ça. Ouais. Comme on mélange vraiment rock, jazz, musique de partout, tout ce qui nous plaît. Quoi. Là, c'était un morceau rock, évidemment. Ce morceau en particulier, en fait, il est très très rock et très inspiré d'un jazz new-yorkais un peu underground, une scène qui s'est basée autour d'un musicien qui s'appelle John Zorn. Malgré tout, même si autour de cet emballage un peu rock, il y a une philosophie, il y a un esprit très jazz quand même. Ça permet de dire qu'il y a des jazz, donc énormément de formes de jazz. Mais tout et à non fait. Pas seulement un jazz en soi. Et on a tous le sien. On a tous le sien. Si on a toujours des préférences. Bien sûr. Mais après, il y a toujours évidemment aussi un commun qui les unit, toute cette forme de jazz, et donc énormément de résonance, etc. Mais comme le disait bien Mathieu, ici, c'est imprégné d'un jazz de pirate, d'un jazz très énervé, énergique. Il y a énormément d'autres formes qui existent aussi. Et Ouvois Moja, Bouchourani, John, il y avait du rythme. Hein, ça bougeait là. Ça bougeait fort. Vous savez, avant, quand j'entendais jazz dans ma tête, c'était que pour les personnes de certain âge. Louis Armstrong et sa trompette. Ce sont les personnes de 50, 60 ans qui jouent. Non, ils sont pas tous noirs non plus. Ah bon? Merde. Voilà. Allez, revenons un petit peu à ce projet. C'est un projet qui est déjà ficelé ou vous avez encore besoin d'aide pour rénover cette tombe? C'est un projet qu'on a besoin d'aide. Ouais. On a vraiment besoin d'aide parce que avec l'argent qu'on a, on ne peut pas le faire. Ouais. Donc du coup, on appelle à toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet de venir
nous donc, aider. Ce sera le 15 octobre. Le 15 octobre, et que ce soit matériellement, financièrement. Donc, Et j'ai déjà 4 paires de bras. Ah ouais. On revient aussi pour les travaux, etc. Les armes sont beaux, ils doivent être efficaces. Hein. On devrait pouvoir en faire quelque chose. Il faut juste nous repayer le billet, en fait. Parce que on veut bien aider. Il faut faire un petit peu de muscu quand même. Vous invitez à venir, à tout le monde à venir le 15. Mais il n'y a pas d'exception pour les gens qui veulent participer à réaliser ce travail. Ouais. Ils sont les bienvenus. Ouais. Donc, on a collaboré avec la commune de Djaoudi l'Abattoir. Et puis, il y a aussi des entrepreneurs qui vous ont aidé. Qui sont prêts à nous aider. Et on va les citer tout à l'heure parce que c'est honorable. Si ça ne va pas trop faire la pub. Et puis chez nous, on peut. Oui, ce serait bien. Il faut dire ceux qui veulent bien aider, on va les citer. S'il y a pas de... La tombe, vous allez simplement la rénover ou vous allez essayer de l'améliorer, de la faire un peu plus. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu l'image, c'est une tombe qui se trouve au bord de la mer. Ouais. Donc quand il y a la marée haute. Donc, il se trouve à 30 mètres de l'eau. Ouais. Donc, nous, on va essayer de remonter un peu pour que l'eau n'atteigne pas la tombe en question. Ouais. On verra la suite. On va déjà remonter les parpaings, tout ça. Là, on ne va pas couvrir, mais on va déjà soulever un peu les bordures. Allez, avec les pieds caressés par l'océan Indien, je pense que malgré tout, c'est pas si mal que ça. En tout cas, on rappelle, c'est le 15 octobre. On est tous invités donc à venir. Ce sera un peu la fête ou pas ? La fête, je dirais oui, parce que on est quand même content. C'est la joie d'aller faire ce travail, même si c'est un travail, mais on va le faire avec joie. Ouais. Vous savez, c'est triste en même temps, mais c'est la joie. C'est tout à fait. Donc, pour pouvoir faire ça, donc nous, on est satisfait, on est content d'aller le faire. Mais on sait très bien qu'on a perdu quelqu'un et c'est triste d'un côté. Elle est morte il y a combien de temps déjà ? Il y a un moment. 69 ? Oui. C'était une des premières d'ailleurs qui était partie. Hein. Le jour du combat. Il y a eu des manifestations. C'était à la barge là. Il y a eu les forces de l'ordre qui ont apparemment a jeté une grenade qui manque de peau. Ça l'a atteinte. Il est décédé sur le coup. Et voilà. Jour de tristesse que ce jour-là, comme tous les jours qui ont suivi, à chaque fois qu'on a perdu une chatouilleuse. Mais ceci dit, il y en a d'autres qui sont encore en vie, qui ont été blessés. Bien sûr. Moi, dans mon village, il y en a encore un monsieur qui est encore là, qui était blessé à l'œil. Il est déficient d'un œil, mais qui est toujours là, qui a participé ce jour-là de manifestation et qui était avec cette chère dame qui est décédée. On va continuer à parler de cette rénovation de la tombe de Sakia Madi avec Ouvoua Moja, bien évidemment. Puis on va continuer à parler jazz et pas que avec les ITJ. On se retrouve tout rapidement juste après la pub. Un but, avancer avec vous dans la même direction. Au quotidien et pour tous vos besoins santé, nous sommes à vos côtés. Regardons ensemble vers l'avenir pour aborder la vie en toute sérénité et transmettre à nos proches les valeurs qui nous sont chères. MGEN, votre mutuelle santé prévoyance. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 euros TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Musique.
Bateau École 777, 125 scooters 2 roues, 125 scooters 3 roues et 125 motos à boîte de vitesse. Venez passer votre formation 7h125 avec le permis B à l'auto-école 777. Permis AM 50 cm cube 125 et gros cube. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. Salut Mayotte, c'est Jim Rama, je vous donne rendez-vous le samedi 24 septembre au Café Room pour la Zouk Love Party. Le 24 septembre, tous et toutes au Café Room pour la Zouk Love Party. Maille Accessoires, votre magasin spécialisé dans les accessoires de mode. Maille Accessoires, c'est les dernières tendances en bijoux. Fantaisie, plaqué or, montre, maroquinerie, chaussures, femmes et hommes. Maille Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté. Rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout cela à petit prix. Maille Accessoires se situe au 27 rue du Commerce Samamoudzou, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 15h. Maille Accessoires, la classe à petit prix. Tu viens de rencontrer quelqu'un ? Mais est-ce la bonne personne ? Envoie durée au 88-18 pour savoir combien de temps votre idylle va durer. 2 semaines ? 1 mois ? Peut-être toute la vie ? N'hésite plus, envoie durée au 88-18. Maoré Jazz, édition 2016, va encore se jouer les frontières avec sa programmation offrant une fusion entre le jazz et les musiques du monde. Mercredi 21 septembre à 20h, chez Cousin, le traditionnel apéro jazz. Vendredi 23 septembre à 20h, salle du cinéma Alpajo. Samedi 24 septembre à 20h à la JP de Pamandzi. Dimanche 25 septembre de 16h à 19h à l'ancienne place du marché de Mamoudzou. Réservation au 06 39 65 67 63 ou à l'adresse maorejazz2016@orange.fr www.mayotte-tourisme.com. Like le respect avec Enel et le réseau Allo. Alors petit frère, écoute ce que j'ai à te dire. À force de s'attirer des ennuis, on se prive de s'en sortir. Et même si plus rien ne va, parfois coule le sang, on peut tous réussir. Toujours c'est la même, violence sans arrêt. Divers se retrouve en maison d'arrêt. Chaque jour c'est la même, où sont nos je t'aime. Ouais, mon avis. Parfois y'a des hauts, parfois y'a des bas. On dame namasta, ce que me disait la maman. Tous ensemble y'a de l'espoir pour notre avenir. Allô, respect du début jusqu'au terminus. Retrouve le clip sur la page Facebook Allô Matisse ou sur allô.yt. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Karuni. Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Textor, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Textor, c'est aussi un service après-vente agréé Apple, pour répondre à tous vos besoins. Textor, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni. Envie de rencontre dans ta région ? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200, c'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. On vous rappelle que juste après nous, tout à l'heure à 18h35, ce sera le retour du temps de parole. Souleymane Abdoul viendra nous parler de sa candidature sous l'étiquette de Bruno Le Maire. À tout juste 19h, ce sera le retour du Grand JTM présenté par Amina Hariti. Jamel Mekawi, son invité de la rédaction, il viendra nous parler de l'INSEE Mayotte et de ce prochain sondage. Allez, pour l'heure, on est toujours en plateau avec nos invités du jour. On voit Moja qui vient nous parler de la rénovation de la tombe de Zaki Hammadi. C'est prévu pour le 15 octobre. Ce sera donc du côté de Dzaoudzi, l'abattoir, en bord de mer.
Oui, tout à fait. Oui. Et ou en bord de mer. Mmh. Ça se passe donc le 15 et on va voir tout à l'heure qui vous a aidé sur ce coup-là et qui était suffisamment sympa pour vous accompagner. Et puis Jazz at Lib. Jazz at Lib. Non. ITJ est avec nous. Voilà, Jazz at Lib, c'est le jour d'après, me semble-t-il. Voilà. ITJ est avec nous. Il nous arrive de Strasbourg, bien sûr. Vous vouliez dire quelque chose ? Parce que hier soir, je crois que vous nous avez suivis. Et j'ai fait le malheur de parler de la choucroute. Tout à fait. Alors, c'est un plat régional typique. Une grande figure importante pour nous. C'est voilà. Presque comme une tombe de résistance, etc. Voilà. Et donc, fallait pas y toucher. Bah, non. Si, il faut y toucher. Mais quand on fait l'accent alsacien, faut l'imiter bien. C'est tout. Voilà, déjà. Merci. 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 On fait pas l'accent. C'est pas l'accent suisse, par exemple. Voilà. Et si ma maman regarde cette émission, alors là, je suis mort, les garçons. On va lui envoyer des roches, d'ailleurs, c'est déjà fait. Voilà. Et ce sera mérité, parce que... Allez, en tout cas, avec nous, bien sûr, on a Raphaël. C'est Raphaël qui nous parlait à l'instant. Guitare, bien sûr, Rémi au sax, Mathieu à la batterie et Louis à la basse. Vous avez commencé les instruments à quel âge, messieurs ? Chacun son tour. Allons-y. À 4 ans. Enfin, pas à la basse. J'ai fait du piano, puis du saxo. Ouais. Et j'ai pris la Donc basse très tôt. Ouais. Des parents musiciens. Mathieu, parents musiciens. Ouais. Bah, pareil, papa musicien. En tout cas. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours à 7 ans, mais il y a toujours eu de la musique et des instruments à la maison. Quoi. Donc très tôt. Bah, j'ai commencé ado. Mon papa faisait de la trompette à l'armée. Donc j'ai aussi eu dans la famille des. Musicien. Et moi très tard, j'ai commencé à 14 ans et mes parents, s'ils ne sont pas musiciens, sont des grands passionnés de musique, donc écoutaient beaucoup. Bonjour Adi, toi t'as commencé à quel âge ? Ah ben j'ai pas commencé encore. Et c'est pas trop tard. Ah, hein. À Bayotte, tout le monde fait de la musique un petit peu. Non, pas. Soyons honnêtes. Suivre des groupes comme ça, mais pas jouer aux instruments. Et toi, John, tu es musicien, toi ? Moi, je ne suis pas musicien, mais moi, je suis un chanteur. Tu vois, comme quoi. Alors, tout à l'heure, vous allez nous faire deux petits lives, hein, les garçons, c'est très sympa. Qu'est-ce qui pourrait donner envie à un Mahorais d'aller à Strasbourg, les garçons ? Pas grand-chose, hein. Le Rhin ? Les carpes dans le... Ouais, alors on peut se baigner pour trouver des poissons. C'est-à-dire que la barrière de corail à Strasbourg est beaucoup moins impressionnante que celle-là. Il n'y a pas beaucoup de dauphins et les baleines, bof quoi. Par contre, on a des cigognes. Voilà, on a des cigognes, on a de la cachard, mais on n'a pas la mer. Hein. Non, on a une très belle cathédrale. Une très très belle cathédrale. On a. La meilleure charcuterie du monde. Ah oui, voilà. Et je pense qu'il faut y aller plutôt à l'été, hein, parce que je pense que. Quoi qu'il fait chaud l'été aussi. Le marché de Noël. Mais le marché de Noël, c'est quelque chose à voir quand même. Ouais, le marché de Noël quand même. Oui, si, capitale de Noël. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Voilà, on peut dire que. Mais en vrai, de vrai, on adore Strasbourg. Ça fait partie de notre ADN de vie en général. Quoi. Oui. D'ailleurs, on le voit à Burkina Faso. Quand on peut partir, on part, mais on adore vraiment. Et s'il vous plaît, accueillez-nous à la Réunion, tout ça. Oui, voilà, voilà. On veut bien se rapprocher des Alsaciens de la Réunion. Les garçons, comment vous abordez ce festival ? Avec bonheur. Ouais. Des rencontres, l'envie de faire des rencontres. Bien sûr, ça a déjà commencé, c'est ça qui est très très beau. C'est toujours l'occasion de pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, la rencontre est humaine, la rencontre est aussi musicale, puisqu'on accompagne donc Tiffany et Mala lors de ce festival. Donc, c'est aussi très très chouette d'avoir cette occasion-là. Deux belles voix exceptionnelles, tout à fait. Ouais. Et c'est aussi un plaisir simplement, puisque donc l'idée de la musique, c'est aussi de transcender toute forme de frontière et toute forme de barrière. Et finalement, c'est presque en soi, fondamentalement, quelque chose d'une réelle égalité, d'une égalité profonde qui se. Avant de venir, vous avez été écouter un peu les rythmes mahorais, vous avez essayé de les découvrir un peu. Bon, pour moi, à vrai dire, j'ai entendu ça dans l'avion pour venir, pour être franc. Non, non, mais il faut être franc, voilà, tout à fait. Ouais, moi j'écoute de temps en temps du Gojo, pardon pour la prononciation. génial, les garçons. Alors, si je me trompe pas, c'est M. Toro Chamou. Toro Chamou, ah oui, c'est pas mauvais déjà. Là, on est un petit peu dans le sommet là. Ça veut dire qu'à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de Mahorais alors. Il faut venir. Il faut venir restaurer des tombes s'il vous plaît. De Strasbourg. Voilà. Allez, on rappelle les garçons. Cette opération donc de rénovation de cette tombe, c'est prévu donc pour le 15 octobre. Comment on peut encore vous aider ? Pour nous aider à cette opération. Donc... Alors, vous êtes une association, Voix-Mogin ? Voix-Mogin. Donc, on peut vous faire des dons ? Oui, tout à fait. Tous les gens qui payent beaucoup d'impôts, qui veulent payer un peu moins d'impôts, ils peuvent vous aider. Oui, hein, surtout ces gens-là. Si surtout ceux-là. Ben, je suis d'accord avec toi, John. Ça va réduire leur...
leurs impôts. On va passer le mot à Strasbourg. Non, mais sérieux, on peut vous faire un petit don, on peut vous faire ce genre de choses. Vous savez, toute aide est bienvenue, que ce soit matériel, financier, physique, on n'a pas d'exception. Donc là, en ce moment, on a sollicité une entreprise qui nous a vraiment confirmé qu'il va faire des aides matérielles, des aides de transport. Mais après, les autres aides, ils sont les bienvenus. Bon, donc, si vous avez un chèque de 5 000 euros, nous, on est... Eh bien, écoute, moi, personnellement, non, mais moi, tous ceux qui payent des gros impôts, comme disait John... vous pouvez nous aider en venant nous filmer pendant qu'on passe les travaux. Ce sera très certainement fait. Ça, c'est une aide, voilà. Bien évidemment, ça, c'est poésie, on est proche de vous. On peut faire tomber, pour la journée, une palette d'eau. Oui, il n'y a pas de souci. Donc... étant donné que l'eau est très mordiale pour les... On peut faire tomber aussi un sac de riz. Tout à fait. Parce que on va manger après les réparations. Concernant le sac de riz, le manioc, les bananes, le fruit à pain, n'importe... Du pain. Voilà. Du pain. Tout peut... Ouais, non, mais bien sûr. Il faudra donner à manger. Et puis on peut le collecter depuis la date de sa mort. Le jeudi 13 octobre. Eh ouais. Eh bien, écoute, on va continuer. Vous pouvez les amener au foyer des jeunes de Ouangani. Ou bien, vous pouvez m'appeler n'importe où que vous êtes. Je peux venir. C'est pas vrai. Oui, je peux venir. Donne ton numéro de téléphone, John. 06 39 39 79 24. Voilà. Écris-le. Au cas où. Oui, tu vas le redonner. tu vas le redonner encore. Et on va le répéter encore. Mesdames, vous exagérez pas trop. Hein. Voilà, John, il est magnifique, beau sourire. Oui, mais voilà. Juste pour vous dire encore, vous m'avez demandé, il était mort à quel âge? Donc, il était mort à l'âge de 45 ans. Ouais. Et là, depuis sa mort, il y a déjà 47 ans. Oh là, bah oui, comme quoi le temps passe. Mon Dieu. Il est mort déjà 47, il y a 47 ans. Et, wow. Et puis, vous avez posé la question, et Bouchou avait dit là tout de suite, l'entreprise, il y a des aides des entreprises, donc il n'a pas prononcé le nom de cette personne. Et on l'écoute bien. Moi, je ne vous cache pas, c'est l'entreprise... Hôté matériel. Hôté matériel. Voilà. C'est un jeune de Ouangani, mais son entreprise est installée à Combani. Donc, il va nous donner tous les matériels concernant... Comme quoi, il y a des très jeunes qui ont dépensé pour les très anciens. Comme quoi. C'est un petit peu l'esprit que vous voulez véhiculer aussi, vous, le respect des anciens à travers cet album. Absolument, ouais. Il y a toute une poétique de l'héritage qui habite un petit peu cet album-là. On se référence à beaucoup de figures qui nous ont aussi énormément imprégnés, notamment Thomas Sankara, le révolutionnaire du Burkina Faso qui s'est fait assassiner. Donc il y a aussi cette idée-là de lutte et de mort, et donc de mort à refaire venir pour que ça imprègne quelque chose d'esthétique. Et donc il y a cette idée-là de l'importance du passé qui hante toujours quelque part le présent. C'est intéressant aussi, c'est de dire que ces luttes passées ne sont jamais complètement finies et qu'il y a quelque chose à faire voir dans les temps contemporains de cet héritage-là. Quelque chose à rajouter, quelqu'un d'autre? Pour savoir où l'on va, il faut comprendre d'où on vient. D'où l'on vient. C'est les racines du baobab. Il y a des morceaux qui sont très concrètement connotés de cette idée-là d'utopie concrète aussi qu'on essaye de faire valoir. On a un morceau qu'on a appelé Atoubé en hommage comme ça, comme une espèce de ville inventée liée à l'utopie d'un monde égalitaire réellement possible, etc. On a invité énormément de chanteurs aussi d'Afrique, donc de Begnaoré avec qui Louis est de qui Louis est très proche, etc. Et on appelait l'Afrique est une utopie concrète ce morceau-là pour faire signifier qu'il y a des forces utopiques qui existent réellement, très concrètement, qu'on peut faire surgir. Et donc l'idée d'un monde commun un jour et d'une égalité concrète et réelle peut-être advenir. Ce que défend le Dalai Lama en ce moment, en disant qu'en deux générations, on pourrait retrouver la paix sur la planète. Il est en ce moment à Strasbourg, je crois, d'ailleurs. Ouais, le on l'a loupé, on est parti pendant Quel dommage. Quel dommage, les garçons. Ça ne nous a pas retenu. Quoique, on peut le trouver où?
Sur internet, ouais. On a un site évidemment où on vend tout ça. Sur le site du label Omesis, sur après nos concerts. Et tu veux laisser ton numéro pour que les gens t'appellent, Louis. Voilà, voilà. Allez, les garçons, moi ce que je vais vous demander, bah, c'est de vous déplacer, puisque passez derrière moi, parce que je crois que derrière les garçons, il y a un peu moins de place. Pendant ce temps-là, Bouchourani, John, on rappelle le numéro de téléphone où on peut vous aider ou en tout cas vous contacter. Vous pouvez nous appeler au numéro 06 39 39 79 24. 39 79 24, on a besoin de tout, on a besoin de votre aide physique, hein, tout simplement, le jour de l'activité. On aura très certainement besoin de ciment, de peinture, de appelez-les, proposez-leur de les aider. Ils seront tout contents, puis ça rendra un bel hommage à Zakia Madi quand même. Ils seront en concert, on va vous le rappeler tout de suite pour eh bien, ce Mahoré Jazz. Ils seront donc vendredi 23 septembre à 20h à la salle de cinéma Alpajo avec Tiffany et Mala. Ce sera donc ITJ. On les retrouvera aussi le samedi 24 septembre à la JP de Pamandzi en compagnie de Beethoven au basse. C'est ITJ que l'on retrouvera aussi eh bien, dimanche 25 de 16h à 19h, ancienne place du marché, avec la chorale de Mgombani, avec Jazz Atlib de Mayotte et Tiffany de Madagascar. On les écoute tout de suite. C'est le showcase du jour et c'est sur KTV. Thank you.
Puis on a failli couper, hein, parce qu'en plus, on ne s'attendait pas à la double chute, hein, quand même. En tout cas, bravo. Les garçons, ils nous ont promis d'en faire une deuxième, on se la fait tout de suite. Allez, on enchaîne, c'est tout de suite, c'est sur KTV. C'est ITJ qui est bien sûr avec nous. Vous les retrouverez lors de ce Mahoré Jazz tête d'affiche. Allez, à tout de suite. Que l'on retrouvera tout au long donc de ce Mahoré Jazz. Les garçons, revenez vous mettre à vos places. Oh, ça fait du bien, bonjour Ali. Très bien. C'est que du bonheur. Est-ce qu'elle aime la musique, Zakia? Oh, j'imagine. Obligé, oui. Ce sont des gens qui étaient un peu chauds quand même. Ils avaient du son bien chaud. Et puis, il y avait tous les rythmes Mahoré, bien sûr. J'en passais des meilleurs. Allez, toute une influence que vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, dans cet album que l'on retrouve où? Dans toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Tout à fait, même sur Deezer, sur YouTube, ça y sera, et puis sur notre site, etc. Et à nos concerts. Et puis on peut aller, bien sûr, sur YouTube, découvrir les extraits de concerts, etc. Et surtout au festival.
Et puis bien sûr, au festival, puisqu'on vous retrouvera demain, mercredi 21 septembre, chez Cousin au rond-point du Baobab pour l'apéro jazz. Ce sera vendredi 23 à 20h au cinéma Le Pajo à Mamoudzou, 12 euros l'entrée, ITJ, Tiffany Mala. Samedi 24 septembre, ce sera du côté de Pamandzi. Ils vont venir à Monaco, en Suisse. Voilà, c'est pas mal. Bah oui, c'est Monaco et la Suisse là-bas. Voilà, ouais. Donc ce sera avec Beethoven au bass et ITJ. Et puis dimanche 25, c'est totalement gratuit de 16h à 19h. ITJ, Chorale de Mgombani, Jazz Atlib, Tiffany. Je crois que vous y teniez à ce que ce soit, qu'il y ait un moment de gratuité. Bien c'est sûr. Important. Hein. J'ajoute aussi en fait qu'il y a aussi le, ce jeudi au 5-5. Ça s'est rajouté un peu. Ah, vous serez aussi, oui, effectivement, avec Tiffany. Me semble-t-il, oui. Donc tous les soirs. Ouais, ouais, il me semble. Génial, les garçons! C'est sympa. En plus, c'est un endroit mythique, le 5-5. Hein. Merci. Bah, on a déjà bu pas mal de jus de fruits très bon là-bas, ouais. Depuis. On est là, on y est allé trois fois déjà. Donc, vous avez, ça a l'air bien. Vous allez jouer à côté de la barge et à génial, côté de l'océan Indien. Absolument génial. Ouais. Génial, les garçons. Bouchourani, John, bien sûr. On a besoin de combien pour tout ça? Financièrement? Ouais. On n'en aura jamais assez, de toute manière. Ben non, il ne faut jamais compter. Certes, pour ce travail-là, ouais. Bah, il y en aura à peu près. Est-ce qu'après, vous allez vous attaquer aux autres tombes des autres chatouilleuses? Ben, c'est en collaboration avec les autres villages, parce que, communes, ouais. Surtout. Ouais. Parce que, vous savez, nous, on fait parce qu'elle fait partie de notre commune, les natives de Wangani. Zéna, donc c'est vrai que Zéna Mdéré est à Pamandzi. Pamandzi, Kanikeli, vous savez, ça dépend. Tout à fait. Mais... ça n'empêche pas de solliciter toute cette commune, ces communes-là, à qui ils ont des membres des chatouilleuses. Bien sûr. Pour travailler ensemble. Bien sûr. De toute façon, avec la Fédération des associations des personnes âgées, ouais. Je fais ma part, donc... Effectivement, c'est vrai que tu es de cette fédération-là. Donc, ils sont très bien d'accord. Ouais. Quand on était en réunion il y a pas mal de temps là, donc je leur avais proposé ces projets, ils m'ont dit ils vont nous soutenir à 100% ce projet. Ouais. Donc du coup j'ai fait appel à toutes les associations, toutes les personnes résidant à Mayotte de venir participer à cette belle opération. Bien sûr, de mémoire et pas que, puisque c'est aussi la page de l'histoire. Et puis c'est vrai que ça pourrait à terme aussi devenir un endroit qu'on pourrait aller visiter les touristes. Oui, oui, c'est pour ça aussi, ça fait partie des raisons. Ouais. Effectivement, ça peut devenir un lieu de mémoire. On l'oublie pas, ouais. Pour ce combat, en tout cas, pour la liberté de Mayotte et son rattachement à la France. En Alsace, on a vécu un peu ça quand même. Les aléas de l'histoire, un jour à absolument. D'ailleurs, c'est assez marrant de rappeler que en fait, les Maoris ils ont été français avant nous. Ouais. Avant les Alsaciens. Pareil, moi je suis moitié alsacien, moitié savoyard. Alors moi je suis pareil, rattaché après. Donc ils sont français avant nous. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est voilà, ça. Vous êtes donc français avant nous. C'est vrai ce que dit. Ça a été confirmé par un collègue médecin qui s'appelle Letterman. J'ai permis de prononcer son nom. Bien sûr. Mais il m'a dit, mais oui, Bouchou, vous étiez français avant nous. Hein. Bien sûr. Moi, je sais, moi aussi, en Haute-Savoie aussi. Nous, on était piémontais avant. Hein, donc, ben voilà. Donc tout ça, bah, vous comprenez. Absolument. Mais on sent maoré, en fait, là, depuis quelques jours. Voilà. Et en Alsace aussi, la maman a une place importante. Tu parlais de ta maman italienne. Non, mais le seul vrai Alsacien, c'est Louis. Hein. Et je crois que ça peut se voir un peu. Donc, tu veux parler de ta maman ou tu veux que je parle de ta maman? Bonjour Nathalie. Il faut dire qu'il y a des mélanges, même. Enfin, on est que mélangés, quoi qu'il arrive. On n'appartient pas qu'à une seule. On est toujours un métissage. Et on est là d'un exemple de métissage parfait, puisqu'il y a des origines italiennes chez Mathieu. Et je vais quand même passer le bonjour à ma maman. Parce que sinon, je vais passer le bonjour à la maman de Louis, elle va m'en vouloir. Donc, bonjour maman. Voilà. Il y a plein d'horizons, mais c'est intéressant de savoir ça aussi. Voilà, moi, par exemple, moi je suis né à Lyon, j'ai vécu dans le nord de la France, puis maintenant ça fait 15 ans que je suis en Alsace. D'accord. Ah oui. On voyage. Et deux jours à Mayotte. Un peu mazo en fait. Hein. Et d'origine belge aussi. D'accord. Et vis-à-vis de ce métissage qui habite chacun de nous, j'aime beaucoup un slogan de manifestation. De la première à la deuxième à la troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Il faut toujours le rappeler. Voilà. En tout cas, les garçons, vous restez jusqu'à quand? Mayotte, vous n'êtes pas perdu. On repart lundi. Vous repartez lundi déjà. Oh mon Dieu, j'espère que vous aurez le temps quand même de pouvoir vous échapper de tout ça. On s'est échappé hier. Voilà. On s'est échappé hier, on est allé voir. Ils les... vous ont rattrapé, visé. Ben, on est parti voir les baleines et il a plu.
Après, on a essayé de voir des dauphins, on n'avait pas. Mais on a nagé quand même au-dessus des coraux et c'était. On a vu des poissons quand même. Vous avez vu des poissons. On a vu des poissons. On remerciera Mario qui nous a bien guidés sur le bateau. Et ouais, quoi d'autre à rajouter, les garçons? Si on peut se croiser au concert, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Eh ben écoutez, en tout cas, on le rappelle, vous serez en concert. Donc, salle de cinéma vendredi, vous y serez samedi du côté de la JP, vous serez au 5-5 jeudi, et puis dimanche, ancienne place du marché, ben vous serez encore accompagné d'une pléiade d'artistes. Les garçons, qui remercie, on le rappelle, qui vous a aidé déjà, là, l'entreprise Il y a... Oui, comme il a dit, John, c'est l'entrepreneur qui s'appelle OT Matériel, ouais, qui est basé à Combani, qui va nous aider matériellement. Puis financièrement, on a, pour l'instant, c'est la Caisse de Sécurité Sociale qui vous accompagne qui aussi. Qui nous a financé. Ouais. Il y a eu des attentes aussi financièrement, mais ils ne sont pas manifestés encore. On ne sait pas si ça va venir ou pas. Ouais. Je ne sais pas si John va rajouter. Il y a le conseil départemental, il y a la mairie de Ouangani, ouais, la politique de la ville aussi, ne pas oublier, et de la commune de Ouangani. Aussi, il y a pas mal d'autres partenaires qui nous ont promis de... Bon, les partenaires qui ont promis, on a les noms, hein, donc on va surveiller ça de près. Il y a aussi la commune de l'abattoir qui va assurer toutes les moyens logistiques. Voilà. Allez, 06 39 39 79 24, si on veut vous accompagner. Est-ce qu'il y a des adresses internet éventuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Si, je peux vous donner mon adresse. Allez, adresse internet. Assani. mdala@hotmail.fr. Très simple. Et ouais, tout simple. messieurs, de votre côté, bien sûr, j'imagine que vous remerciez Austral Organisation, bien sûr. Toute l'organisation. Oui, toute l'organisation et les soutiens du Maori Jazz Festival. Ouais. Et puis on vous remercie aussi de nous avoir accueillis. Non, bah, vous êtes et chez on vous, remercie hein. aussi les gens qui nous hébergent et qui nous regardent. Oui. Et ouais, génial. Allez, puis je crois que Austral Organisation remercie plein de monde, TPC, CMT, BIBS, le SIAM, en tout cas tout plein de gens que l'on citera encore tout au long de cette semaine. Avec vous, un concert, ça dure combien de temps? 3h30. C'est comme on nous demande, en fait. Nous, voilà. On s'adapte. C'est pareil, c'est le public. C'est l'organisateur, surtout. Oui, voilà. Mais le public peut faire rallonger le concert aussi. Oh, hein. Ici, le public rallonge. Ah bah alors, on a de quoi faire. On a du stock. Faire. On a du stock, ouais. Bon, bah, ça va être du concurrence à Bakou Ali. Hein. Toute la nuit. Les voisins. surtout les voisins. Ouais. Voilà, les voisins prévenus. Vous allez faire de belles rencontres, bien sûr. Beethoven au bass d'Haïti. Vous allez découvrir aussi Madagascar, les Comores. C'est des envies de prochains voyages, tout ça? Complètement. Et de toute façon, il n'y a pas un seul lieu qui ne nous intéresse pas, ne nous passionne pas. On aimerait bien... Strasbourg, bof. Ouais, on redonne l'adresse de où on peut vous contacter. Ben, on peut... Si on a une proposition à vous faire, Festival Dounia de Madagascar. Alors, faut aller sur le site... Où c'est qu'il faut de la Réunion. itj-band.com. Ouais. Ou alors on peut aussi contacter sur le site omesis.com. Mm-hmm. Non, ceux qui travaillent dans le label. C'est le label. Voilà. Bah oui, il faut. Donc le site omesis.com, en fait, c'est plus le label qui nous aide à tourner. Et donc l'adresse, c'est contact@omesis.com. Et ouais, quoi d'autre à rajouter, les garçons? Donc on est parti pour la nuit. On peut aussi appeler Clovis. Hein, si oui, voilà, on peut donner son numéro d'ailleurs. Hein, Clovis, tu veux donner ton numéro? Il va être très content. Il va être très très content. Les garçons, on rappelle aussi cet album Re-Enter. Oui, The Ghost. Il y en aura un autre à venir. Bah, on espère. Il y en aura plein d'autres à venir. Plein d'autres, ouais. Mais celui-là, il est récent, donc on va essayer un peu de le faire vivre en concert et en tournée. Donc voilà, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Et ouais, avec peut-être des rythmes maorais. Ah ouais,
Bah, moi, et peut-être un morceau sur la tombe. Exactement, parce que très réellement, en plus, on s'est vraiment inspiré des rythmes africains qu'on avait pu un peu travailler, enfin, en particulier du Burkina Faso et de tout le lieu mandingue. D'ailleurs, les morceaux qu'on a joués tout à l'heure étaient des reprises. On a joué Diarabi, qu'on a appris là-bas, et qui est maintenant sur le CD, qui était le deuxième morceau. Qui veut dire ma chérie. Qui veut dire ma chérie. Et on a joué juste avant Nidje de l'orchestra Baobab. C'était deux reprises. Et voilà, donc on a été très imprégnés. En fait, sur plein d'aspects de notre musique, les rythmes, autant que les modes, etc., de la musique du Burkina, nous ont fait travailler. Et à la fois aussi, on s'est inspiré à travers ces voyages des rencontres humaines et aussi des légendes qui habitent le pays, dont Thomas Sankara. Donc pourquoi pas un jour faire un morceau Surtout que là, c'est pas de la légende. C'est de la réalité. Il y a plus d'un ministre qui a été chatouillé. Il y a plus. Alors, on n'en parlait pas souvent là-bas. Là-bas, ils ne le savaient pas, mais quand ils arrivaient ici, ils étaient bien chatouillés quand même. Quand on reviendra pour le 35e Maori Jazz Festival, on sera réinvité chez toi on reparlera de ce morceau qu'on aura composé. No problemo, ça sera avec plaisir. Les garçons, Raphaël, en tout cas, merci. Rémi, merci. Mathieu, Marabaniengi, Louis, merci beaucoup. Les garçons, 06 39 39 79 24 pour aider Ouvoua Moja à rénover la tombe de Zaki Hamadi. N'hésitez pas, rapprochez-vous d'eux. On en a besoin, bah oui, ça nous fera tout plein de choses, du souvenir pour nos enfants, des lieux à visiter. Merci, John. Oui, juste, je vais juste rapidement, donner rapidement. Quelques projets que l'association a mis en place. Il y a une sortie cinéma avec les personnes âgées, chez Alpajo. Il y a échange intergénérationnel. Ouais. Il y a aussi échange avec l'association de l'abattoir. Juste ce projet-là, ça concerne ces deux associations, étant donné que les abattoirs sont déjà venus. On était à l'abattoir et ils vont venir à Ouangani samedi pour programmer cette action. Allez, le rendez-vous est pris, puis vous repasserez de nous tenir informés de ce qui se passe du côté de chez vous. Tout ça, tu reviendras nous en parler. D'accord, il n'y a pas de problème, mon John. Allez, merci John, merci Bouchourami. On se retrouve demain, ici même, même lieu, même heure, avec d'autres invités. C'est Mana qui sera avec nous. Jazz des Comores, bien sûr. On se retrouve demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse. Salut.